Vous avez créé des raptors. Tu le fixes dans les yeux. Et il te fixe aussi intensément. Et c'est alors que l'attaque survient. Elle ne vient pas de face, mais par les côtés. Monsieur Hammond, ça y est, les affaires reprennent! Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer? Salut les curieux, salut les curieux! Aujourd'hui, nouvel épisode sur Graines de Savoir. Alors, comme vous avez pu le remarquer, il y a quelques semaines, je vous ai fait un petit sondage sur la partie communautaire de la chaîne Graines de Savoir et vous avez choisi pour la grande majorité Deinonychus et Velociraptor. On ne peut pas rivaliser contre deux grands noms de dinosaures, surtout que l'un est l'une des superstars du film Jurassic Park et également Jurassic World. Mais vous inquiétez pas pour ceux qui ont choisi Gus Wrench et John Ostrom, prochainement il y aura ces épisodes sur la chaîne Graines de Savoir. Alors aujourd'hui, je vais pas vous le cacher, deux grands piliers de la saga Jurassic Park vont être écornés. Mais avant ça, revenons sur la découverte de notre Velociraptor mongoliensis et Deinonychus antiropus. Velociraptor mongoliensis fut découvert en Mongolie dans les années 1920, lors d'une expédition nord-américaine organisée par Henry Fairfield Osborne et Chapman Andrews en Mongolie. Cette expédition ne fut pas mise en œuvre pour récolter des fossiles de dinosaures, mais pour rechercher des restes de l'origine des hominidés. Je parlerai dans une future vidéo de cette expédition et également de la personnalité charismatique de Chapman Andrews. Revenons à notre Velociraptor. Il fut précisément découvert le 11 août 1923 par l'assistant de Barnum Brown, Peter Kaizen. C'est triste, mais il y a très peu d'informations sur le découvreur du fameux Velociraptor. Mais grâce à mes recherches, je peux vous dire que Peter Kaizen est né au Danemark et qu'il a émigré aux États-Unis d'Amérique pour devenir assistant de Barnum Brown au sein du Musée National d'Histoire Naturelle de New York en 1890. Suite à la découverte, le paléontologue Henry Fairfield Osborne, le fameux paléontologue à l'origine de Tyrannosaurus rex, décrit le spécimen numéroté AMNH6515 en 1924. Et celui-ci comprend un crâne complet, mais compressé latéralement et la fameuse griffe en faucille du deuxième doigt postérieur. Pour anecdote, Osborne a tout d'abord nommé Velociraptor Ovoraptor Jadotchtari. Ovoraptor, étymologiquement voleur de comme oviraptor, car ovo vient du latin ovum, qui a deux variantes au sein de ses préfixes, ovo et ovi. Et pour ce qui est du nom d'espèce, c'est le nom de la formation géologique qui est la formation Jadotchta en Mongolie. Par contre, Velociraptor signifie voleur rapide et mongoliensis de Mongolie. Alors, voleur rapide, c'est vrai que logiquement, on dirait plutôt que voleur, ça vient de vélos et raptor de rapide. Eh ben non, c'est l'inverse. Vélos, bah comme vélocipède, hein, pied rapide, le vélo. Hein. Et raptor, oui, vous connaissez pas des personnages, des voleurs chez Disney, les raptous, raptés, volés. Voilà, donc raptor, volé, vélos, rapide. Lorsque Osborne fit les premières descriptions de Velociraptor, il commit une erreur en interprétant la grosse griffe du deuxième doigt postérieur comme étant une griffe de main de ce dernier. Ce fut donc les États-Unis qui firent les premières découvertes sur ce dinosaure. Mais les prochaines études sur Velociraptor, dans les décennies suivantes, furent réalisées par des équipes soviétiques et polonaises. Car la première expédition fut bien américaine, mais après la Seconde Guerre mondiale, les territoires d'Asie centrale furent interdits aux scientifiques nord-américains. Guerre froide oblige.
Et en 1971, une magnifique découverte est faite par une équipe de paléontologues polonaises. Et attention, moment girl power. Oui, car la découverte est faite par une équipe dirigée par une femme, Zofia Kielan-Jaworowska, qui est une célèbre paléontologue polonaise. Alors, petite précision, c'est vrai que selon les différents documents que j'ai trouvés sur le net, j'ai trouvé certains articles, je dirais même seulement un article, où il était stipulé que notre chère paléontologue féminine avait découvert le fossile. Mais je n'ai eu aucune autre confirmation, donc je ne peux pas me fier à une seule source, donc je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est quand même elle qui a dirigé cette équipe. Et je peux vous dire qu'elle avait du cran, cette paléontologiste. Pour vous donner un exemple, l'année de la découverte, elle a eu un tympan perforé lors d'une tempête de sable. Elle a été rapatriée rapidement à Ulaanbaatar pour être hospitalisée et soignée. Dès qu'elle a été soignée, vous savez ce qu'elle a fait ? Elle est retournée sur le site de fouilles en plein désert. C'est beau quand même, hein, des femmes comme ça qui, dès les années 1970, dirigeaient de grandes équipes de fouilles. C'est vrai que l'autre côté du rideau de fer, à une certaine époque, on était en avance hein, de ce côté-là. Oui, parce qu'au même moment, la NASA envoyait des bandes de cow-boys dans l'espace, alors que les Russes, ils envoyaient les premières femmes dans l'espace. Je dis ça, je dis rien. Alors, cette découverte, quelle est-elle ? Eh bien, cette découverte présente deux squelettes de dinosaures enlacés dans une étreinte mortelle. Oui, un vélociraptor a été enseveli à l'instant où il se battait avec le cératopsien asiatique Protoceratops. Ce spécimen fossile est numéroté 125 IGM, ou IGM 125. IGM, là, veut tout simplement dire Institute of Geology, Mongolian Academy of Science. Plus tard, en 1999, une équipe sino-belge découvre une nouvelle espèce à partir d'un maxillaire et os lacrymal, le tout numéroté au sein du genre Velociraptor, et fut donc nommé Velociraptor osmolosca, donc une nouvelle espèce. Par, entre autres, le paléontologue de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Pascal Godefroy. Maintenant, venons à la découverte de notre Deinonychus antiropus. Ses premiers restes fossiles furent découverts en 1931 par l'équipe de fouilles de Barnum Brown dans la formation Cloverly et plus précisément près de la ville de Billings dans le Montana. Barnum Brown remarqua des restes de petits théropodes associés à un squelette de Ténontosaurus, dont son équipe préparait l'excavation. Sans publier l'étude et la description, il nomma le propriétaire de ces ossements Daptosaurus agilis, qui étymologiquement signifie le reptile au repas agile, ce qui fait sûrement référence aux restes de Ténontosaurus, qui était donc le repas de nos chers Deinonychus. Malheureusement, comme je l'ai indiqué, Brown ne publia jamais d'études sur cet animal, mais le spécimen fut tout de même numéroté sous AMNH 3015. Il faut attendre 1964 pour que John Ostrom mène une expédition grâce aux indications données par Barnum Brown dans une lettre qui lui était dédiée. Brown lui précise donc l'information et la localité où il a découvert le et les spécimens de Daptosaurus agilis 30 années auparavant. Ostrom découvre de nombreux os de cet animal pendant plus de 2 ans de fouilles, mais il ne peut déterminer le nombre d'individus. Et le spécimen type YPM5205 n'est représenté que par les deux pieds de l'animal. Au vu du manque d'os crâniens, une partie du crâne fut interprétée à partir d'autres théropodes, comme Allosaurus, ce qui lui donnait un aspect plus trapu et arrondi au crâne. Pour la première description de l'animal, Ostrom utilisa donc les restes de Daptosaurus de Barnum Brown et en conclut qu'il s'agissait du même animal. Ostrom renomma l'animal Deinonychus antiropus, qui signifie mauvaise griffe à contrepoids. Le contrepoids fait référence au tendon ossifié qu'il y a au niveau des vertèbres caudales. Pour cette étude, il cita Barnum Brown brièvement à la fin de sa première publication sur Deinonychus et ne garda pas la première dénomination non officielle de Brown. Pas sympa le professeur Ostrom. Ah, le plaisir de nommer un nouveau dinosaure. Ah, c'est l'ego qui parle. John Ostrom est pour moi un paléontologue au panthéon des meilleurs spécialistes des dinosaures. Mais personnellement, pour moi,
Avec cette histoire, sa réputation est écornée. Le gars, il t'offre une grande découverte sur un plateau d'argent, et la seule chose que tu fais pour le remercier, c'est une toute petite ligne en toute fin d'article. Si, si, regardez. Je remercie également le docteur Colbert pour la permission d'inclure les deux spécimens de l'American Museum dans cette étude et pour avoir fourni les registres de terrain de Barnum Brown concernant ces spécimens. Non mais franchement, il ne le remercie même pas directement. Il n'a jamais reconnu la contribution de Barnum Brown dans ses recherches. Mais directement avec le Muséum National d'Histoire Naturelle de New York, j'ai eu la confirmation de cette contribution car dans les archives de John Ostrom conservées au muséum, on a bien retrouvé cette lettre de Barnum Brown et signée de sa main avec toutes les précisions de la localité pour trouver l'origine de ces spécimens de référence. Rendons à César ce qui est à César. Bon, revenons à Deinonychus. Il fallut attendre 1974 pour trouver un squelette plus complet et d'ailleurs plus grand. Il permit une meilleure représentation du crâne mais également du positionnement du pubis, qui à la différence des autres théropodes connus, était parallèle à l'ischium, préfigurant ainsi les liens proches avec les dinosaures aviens. Oui, les oiseaux. Bon, maintenant parlons un peu de ce que l'on sait sur ces deux animaux. D'après les différentes études faites sur eux depuis près d'un siècle, tout d'abord, ce sont bien des théropodes, dinosaures bipèdes au régime carné, oui, qui boostifient de la viande. Ils sont rangés dans le clade des Dromaeosauridae, qui regroupe plein de sous-familles, dont un sous-groupe nommé Eudromaeosauria, regroupant en son sein ces deux dinosaures, Velociraptor et Deinonychus. Mais un caractère frappe chez ces dinosaures et qui se trouve très souvent et plus largement chez les paravès non aviens, c'est-à-dire les troodons, micropterinés et bien sûr les dromaeosauridae. C'est la célèbre et imposante griffe du second orteil. Un objet très iconique dans le premier Jurassic Park d'ailleurs. Pour ces deux dinosaures, cette griffe avait un rôle lors de la prédation. Et lorsque nous la comparons à des griffes d'animaux actuels, nous nous apercevons qu'elle ressemble fortement à celle des rapaces. Les rapaces actuels utilisent leur cerf comme outil d'immobilisation de la proie, mais également comme appendice de mise à mort en perforant le plus souvent leur proie au niveau de leurs organes vitaux. Et il est fort à parier que nos dinosaures à terribles griffes devaient utiliser ces griffes de la même manière. Petite anecdote, lors de mes recherches sur les rapaces, lors de la préparation de cette vidéo, je suis tombé sur ceci. Chez les accipitridés, tels que les éperviers, la proie est saisie au sol ou près du sol. Les serres projetées en avant pour l'envelopper avec les doigts de manière à la contraindre et empêcher toute fuite. Les doigts serrent alors de manière intermittente et non pas continue, ce qui, à chaque fois, fait pénétrer en avant les serres crochues qui pénètrent dans la chair et peuvent percer ainsi un organe vital, ce qui accélère la mort. Mais assez souvent, ils commencent à manger la proie alors qu'elle est encore vivante. Ils attaquent à coups de bec la tête et la poitrine en arrachant des paquets de chair, ce qui hâte évidemment la mort de la proie. Cela ne vous dit rien ? Il t'ouvre peut-être le ventre qui déverse tes intestins. Le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te dévore. Tant qu'on y est, parlons d'éthologie. Je veux dire par là l'étude du comportement de nos deux dinosaures. Depuis les premières études d'Ostrom en 1969 sur Deinonychus, il a émis l'hypothèse, et n'oubliez pas ce terme d'hypothèse, que ce dinosaure était un chasseur vif et rapide, chassant en groupe coordonné pour lui permettre d'attaquer de grosses proies. Cette hypothèse fut corroborée par la présence sur le site de fouilles où il découvrit Deinonychus, de restes de Ténontosaurus entourés par des ossements de notre prédateur. Aussi séduisante que fut cette idée, bien souvent, l'idée la plus simple est également la plus probable. Car ici, et comme beaucoup de représentations du comportement des dinosaures non aviens, ce n'est que bien souvent de la pure spéculation. Par exemple, ce Ténontosaurus aurait pu être un cadavre jouant le rôle de piège à prédateur, soit par des animaux ayant été piégés dans des bouts de rétention ou alors intoxiqués directement par la carcasse ou
un gaz mortel. En plus, ce que l'on précise rarement sur cette découverte, c'est qu'avec les restes de Deinonychus, il y avait également ceux d'un autre prédateur, l'oviraptoridé basal Microvenator. Donc n'oublions pas que ce genre d'affirmation n'en est pas une, mais une simple explication parmi tant d'autres. Il est plus vraisemblable que nos deux théropodes chassaient de petites proies, des petits mammifères, de petits auropsides ou des proies de taille équivalente, comme l'exemple du Protoceratops pour le Vélociraptor. C'était comme la majorité des prédateurs, des chasseurs opportunistes. Ils devaient se nourrir de charognes quand l'occasion se présentait, et il est fort à parier que ces prédateurs pouvaient tuer de gros animaux à l'agonie ou de très jeunes individus fraîchement sortis de l'œuf. Et au fait, cet extrait... Il fend l'air et te la serre avec ça. Une griffe rétractile de 20 cm, coupante comme un rasoir sur le doigt du milieu. Non, la griffe des dromaeosauridés n'était pas tranchante comme une lame de rasoir. Mais comme les serres des rapaces, elle servait à perforer pour porter des coups létaux sur leurs victimes et maintenir leur proie. Désolé pour le mythe. Mais de ce qui nous est dépeint dans le film Jurassic Park, premier du nom sur notre Vélociraptor, il y a encore plus spéculatif. Souvenez-vous, de toute façon, dans ces saletés se déplacent... Vite pour un bipède ? La vitesse du guépard. 80 à 100 km/h si jamais on les laissait en liberté. Oui, alors là, un animal qui court à 100 km/h, c'est largement spéculatif. Il serait prudent de modérer leur capacité de course. Et en étudiant les membres postérieurs d'animaux terrestres rapides contemporains, le fémur est bien souvent moins long que le tibia. Et les métatars sont soit aussi longs que le tibia, ou ont une longueur supérieure à la moitié de ce dernier. Ce qui n'est pas du tout le cas des métatarses de Velociraptor et Deinonychus. En plus, d'après une étude biomécanique dirigée par William Irvin Sellers et Philip Lars Meining au sein de l'université de Manchester, le Velociraptor atteignait une vitesse de course de 10,8 mètres secondes. Ce qui donne une vitesse d'environ 39 km/h. C'est tout de même très loin des 100 km/h dépeints dans le film. Mais il est vrai qu'il aurait tout de même pu atteindre des vitesses de pointe de 45 km/h. Mais à cette vitesse, on est encore loin de l'autruche, qui elle court à une vitesse d'environ 55 km/h. Et en plus, si on n'oublie pas le guépard, avec qui on a enregistré des vitesses records dépassant les 110 km/h. Je vous vois venir, hein, les promamals. Alors pour certains, je vous vois venir, hein. Vous allez me dire « Oui, mais dans le film, c'est pas un Vélociraptor, c'est un Deinonychus ». Oui, mais là c'est encore pire. Le Deinonychus a une masse plus élevée que le Vélociraptor. De plus, il a une configuration anatomique des membres postérieurs moins avantageuse que ce dernier. Il courait probablement à une vitesse d'environ 35 km/h, ce qui reste tout de même une vitesse supérieure à celle d'un homme qui court. C'est pas mal. Revenons sur un point que j'ai brièvement souligné sur les liens entre ces deux dinosaures et les dinosaures aviens que sont les oiseaux. Après la découverte de Microraptors, nous avons pu confirmer qu'un membre des Dromaeosauridae était recouvert de plumes, avec en prime des rémiges sur les membres antérieurs, ainsi que sur les membres postérieurs. La première 4L de l'histoire. Une voiture de brousse. Ouais, je suis désolé, je voulais absolument la faire, celle-là. De plus, ce dinosaure est l'un des rares théropodes dont on connaît sa couleur grâce au mélanosome fossile des plumes. Grâce au travail de Kangoli en 2012, d'après le spécimen BNHC-PH881. Depuis, nous avons trouvé d'autres petits Dromaeosauridae avec des empreintes de plumes fossilisées, mais en 2007, suite à une étude du spécimen IGM-100-981 par Turner, Makovicki et Norell, nous avons découvert qu'un dromaeosauridé de taille moyenne, le Velociraptor, qu'il possédait des traces de fixation de plumes sur son cubitus. Ces insertions, appelées Kill Knops en anglais, et littéralement boutons de plumes en français, sont la preuve que le Velociraptor possédait des rémiges et confirment que la grande majorité, voire la totalité des dromaeosauridés, possédaient un corps recouvert de plumes. Même les plus grands représentants de cette famille, Deinonychus inclus. À quoi devaient bien servir ces plumes? Eh bien tout d'abord comme isolant thermique, à l'instar des poils chez les mammifères et des pycnofibres chez les ptérosaures. Par contre, les rémiges
chez les petites espèces devait leur servir d'appendice tégumentaire permettant les vols planés dans les zones arborées. Par contre, chez les grands représentants, ces plumes pouvaient servir comme apparat lors des parades amoureuses, d'organes permettant la couvée des œufs et aussi un moyen pour l'animal de changer brusquement de direction lors de la chasse. Mais tout ceci n'est encore que de la pure spéculation. Maintenant, en résumé, voyons leur milieu de vie. Le Vélociraptor a vécu au Crétacé supérieur, du Santonien supérieur au Campanien inférieur, de moins 85 à moins 80 millions d'années, en Asie centrale, Mongolie et Chine du Nord, dans un désert de dunes parsemé d'oasis qui côtoyaient des dinosaures comme Protoceratops andrewsi, Pinacosaurus grangeri, Leutroodon Saurinotoides mongoliensis, l'Oviraptoridae Oviraptor Philoceratops et un autre Dromaeosauridae Maacala omnogovae. Ensuite, Deinonychus. Il est plus ancien que Velociraptor car il a vécu au Crétacé inférieur lors de l'Albien moyen, il y a environ 105 millions d'années, dans des prairies et des forêts fluviales inondables. Le milieu était semi-aride, l'année étant coupée par une brève saison humide. Dans le gisement associé à Deinonychus, nous avons découvert un nodosaure, Sauropelta, des ornithopodes, Zephyrosaurus et Deinonthosaurus, qu'on a précédemment vu dans ces vidéos, le grand théropode Acrocanthosaurus, l'énorme sauropode Zoroposeidon, un crocodilien, Goniopolis, et même un poisson, le sémionotiforme Lepisosteus. Alors, le moment critique de Jurassic World Evolution. Ça va faire mal. Déjà, on va mettre les choses au clair. Je me répète, mais le Vélociraptor de Jurassic Park et de Jurassic World est bien un Deinonychus et pas un Utahraptor, même si l'idée peut expliquer de nombreux points comme la taille de l'animal. Michael Crichton ne l'a d'ailleurs pas caché et a bien souvent confirmé que c'était bien un Deinonychus antiropus, car il a beaucoup collaboré avec les paléontologues pour écrire son premier livre de la saga. Et ce n'est donc pas une erreur de sa part. Il a choisi les mensurations du Deinonychus, car à l'époque de son écriture, c'était l'un des plus grands dromaeosauridés connus, et il choisit le terme Velociraptor pour le côté plus dramatique du nom et sa plus simple mémorisation et diction. De plus, l'équipe de Stan Winston, qui se chargea de la réalisation des Velociraptors de Jurassic Park, communiqua avec les équipes de paléontologues qu'en mentionnant le nom de Deinonychus, et non pas Velociraptor. Donc là, ça confirme encore. Donc déjà, au vu de ces informations et des dimensions de l'animal, nous partirons du principe que cet animal est un Deinonychus. Pour ce qui est des proportions, l'animal est plutôt de qualité. La tête est réaliste, la longue queue plus ou moins rigide en balancier de l'animal est bien représentée. Par contre, pas de plumes. Et caractère très fâcheux encore, les mains en position horizontale, alors qu'elles doivent être verticales. Et puis, attendez, c'est pas tout, hein. Maintenant, le Deinonychus du jeu Jurassic World Evolution, parce qu'ils ont fait un Deinonychus, alors que le Vélociraptor était déjà un Deinonychus. Je comprends pas. Je vous dis, ça tenait à cœur hein, de faire cette vidéo là, mais il y en a tellement à dire, surtout sur le dernier. Je vais devoir, parce que là, la vidéo est longue. Hein. Pourquoi avoir reproduit un dinosaure déjà existant? Oui, si on précise la vraie nature du Vélociraptor de Jurassic Park, et en plus, regardez-moi cette tête! Non mais franchement, elle a été reproduite d'après les premières représentations d'Ostrom, et avec comme référence le crâne d'Allosaurus, entre autres. Alors que la tête du Vélociraptor, qui est le Deinonychus, hein, je sais, vous allez vous mélanger, hein, Vélociraptor, Deinonychus, non. La tête du Vélociraptor dans le film, celui qu'on appelle le Vélociraptor, c'est bien le Deinonychus. Eh ben, cette tête-là est plus ou moins conforme à la tête d'un véritable Deinonychus. Alors pourquoi ils ont refait un Deinonychus pour en plus faire des erreurs sur la tête de cet animal-là et reprendre des erreurs qui datent du début des premières descriptions? Je comprends pas. Je comprends pas. Donc complètement has-been au niveau de la tête. Et regardez-le dans l'ensemble. On dirait un croisement entre un poulet déplumé et un Basilicus basilicus. D'ailleurs, cela ne serait pas un clin d'œil au livre Jurassic Park? Oui, car au début du livre, un reste de dinosaure est trouvé dans la gueule d'un singe.
Ce Proconcinatus est tout d'abord pris pour un lézard basilic. Je ne dis pas que la crête n'est pas réaliste, car on n'a pas la preuve du contraire. Mais tout de même. Et en plus, encore une mauvaise position au niveau des mains. Et pas de plumes. On les accumule. On les accumule. Je veux dire, on les accumule. Je vous avais prévenu dans l'ancien épisode Jurassic World Evolution, la Dinothèque. Eh ben là, ils vont manger. Parce que pour moi, car ces deux dinosaures, pour l'un qui se retrouve dans la saga Jurassic Park et Jurassic World, l'un se retrouve seulement dans le jeu Jurassic World Evolution, mais pour ces deux animaux, c'est un grand non. Même si le Vélociraptor, qui est un Deinonychus, les proportions, la forme du crâne, ça va, mais il est déplumé et la position des mains n'est toujours pas bonne. Donc, c'est non. Mauvaise représentation. Désolé. Alors par contre, il y en a qui vont peut-être me dire dans les commentaires, d'ailleurs, un petit bonjour à Nicolas, qu'il y a des modes. Hein. D'ailleurs, Nicolas, sur mon Facebook, m'avait envoyé de très jolies photos sur des modes avec des Vélociraptors emplumés, des Deinonychus. Je m'y fais pas avec cette histoire de... je me mélange toujours. Il y a de très bons modes, hein, et qui se représentent vraiment les dinosaures de façon plus réaliste. Mais ces modes sont pas disponibles pour tout le monde, car sur console, c'est pas disponible. Hein, il y a que sur PC. Donc j'essaye de faire en sorte de donner des critiques sur des animaux qui sont accessibles à tout le monde dans le jeu. Mais pour ceux qui veulent avoir un Jurassic World Evolution, si vous n'avez pas de bon PC, je vous conseille d'acheter un très bon PC et de prendre Jurassic World Evolution et de vous mettre au mode. Et là, vous aurez un Jurassic Park beaucoup plus réaliste, avec les données actuelles. Par contre, un petit point quand même sur ce Vélociraptor, vous avez compris, de Jurassic Park, surtout le Vélociraptor de Jurassic Park 3. Eh bien, les concepteurs de ce Vélociraptor dans Jurassic Park 3, et je ne dirais que c'est l'une des rares initiatives de cet épisode, les phalènes ou protoplumes des mâles Vélociraptor ou Deinonychus, si vous préférez, c'était une bonne initiative. Dommage qu'ils n'ont pas gardé ce caractère dans les deux épisodes de Jurassic World. Mais bon, ne soyons pas trop critiques envers les premiers Jurassic Park, car ils ont réussi le pari compliqué de réaliser un film alliant science et succès grand public. Les choix ont été souvent faits pour que les dinos soient plus sexy à l'écran. Et pour cela, on ne prend que les hypothèses des plus séduisantes. Je reviendrai sur ce point dans un futur épisode où on parlera plus précisément des dinosaures dans Jurassic Park. Et si le cœur vous en dit de tester un jeu avec des dromaeosauridés les plus réalistes par rapport aux dernières études, je vous conseille Zorian. Le Dakota Raptor, un dromaeosauridé du Crétacé terminal de la formation Dead Creek aux États-Unis, est vraiment magnifique, même si le jeu souffre de nombreux défauts. Mais là aussi, j'en parlerai dans un futur épisode, parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Bon, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça a été un très grand plaisir de réaliser cette vidéo. Ça a été beaucoup de travail d'ailleurs, beaucoup de recherches, beaucoup de vérifications d'informations. Et je remercie Scott Hartman pour m'avoir donné l'autorisation de mettre certaines de ses illustrations dans la vidéo. D'ailleurs, je vous mets dans les descriptions de la vidéo son site internet. Et en plus, si vous avez apprécié cet épisode sur Vélociraptor et Deinonychus, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Et je vous dis à une prochaine. Et surtout, que la curiosité soit avec vous à tout jamais.